On va aller acheter un ordinateur parce que du coup l'ordinateur il est broken. Cool Blue Store Bruxelles, mais où? Oh mon dieu, ça va être une mission. Babysitting. Ça va? Yeah. Vous avez pas froid? Oh, mais si, elle t'a mis tes chaussures à l'envers. Ah non, elles sont pas à l'envers. Ok, ça marche. Papa, il est allé à Paris même papa nuit. Oui, papa, il est allé à Paris cette nuit. Ce matin, très très tôt. Early in the morning. Ah, elle est partie à Paris, maman, elle est partie travailler. Pardon, c'est les nerfs. Ok, la voiture, elle est là. Don't run, guys. Careful. Viens, donne la main. Ok, allez, go. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Edit. Oui, et Ohio, il dit que je travaille trop. Je vais éditer une vidéo, peut-être. Je vais essayer de faire une vidéo, je sais pas encore si je vais y arriver, je me suis lancé le défi. Un peu en mode story time, mais mieux encore. Donc je vais essayer de faire ça et de l'éditer ce week-end. Ma vie n'est pas passionnante. Je vais passer mon week-end à éditer. En ce moment, je mange beaucoup. Alors je vais manger également. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah c'est tout. Elle mange trop, elle va avoir un grand ventre comme un bal. Alors ça, c'est extrêmement blessant. C'est vraiment blessant. Il est pas si grand que ça, mon ventre. Il est normal. Et aussi, non, moi, je... Arrête, arrête. Ah bah là, on va prendre celui-là. Ouais, c'est un petit pour travailler, celui-là. Un petit computer. Ah, comme ça, tu peux y aller partout? Ouais, comme ça, il est facile à emmener. Et puis, il est puissant, donc on peut bien travailler dessus. Celui-là, il est pour Emma. J'ai l'ordinateur. C'est good thing. Attends, je commande le Uber. Il va être là dans 2 minutes. But can you explain when you first actually met us, like in our house? Okay, so I was at the station first. Yeah. I was at the station and. Mais attends, pourquoi Wayo tu dis genre que si if you would have known that I was your dad lover, you wouldn't have talked to me for 5 years. Or maybe not as wrong, maybe like 3 years. Because that's the time when I really have to understand what like life changes. Yeah, because maybe you would have been shocked about this change. Yeah, plus then my mom and papa don't know, like they're all like together, like I don't know, 24 years or something? 10 years. Mm-hmm. 10 years. 6 years. 6 years? Yeah. Seriously, that short? But at first, when your dad and your mom been in a relationship, they had you, like the first year. Yeah. Yeah. So yeah, it was a 6 years long relationship. So yeah, you would have been disappointed. But how do you feel now about that? Now, since I understand life changes, I'm fine. You're fine. Yeah. You sure? 100%? 90%. 90%? Yeah. Why? 10% of the time when I think of it, my soul just breaks apart. Why? Well, I'm still not used to just you and Papa being together. I preferred it when it was Mama and Papa. I Why? Got to have two of my parents be together. And you think it's better because... I can see them both at the same time. And the fact that you don't see them at the same time is still heartbreaking sometimes for you? Yeah, like I see Papa less than Mama, making it hard. I understand. But I feel bad and guilty when you say that. Awkward. No, it's not awkward. You know, it's conversations we need to have sometimes. And no, you know, it's being silent. On va où maintenant? On va en course, on va acheter à manger pour ce midi. But I'm sorry about that, Ohio. Honestly, I'm really sorry. Seul, tu es bored. On va manger, hein. T'es contente qu'on aille manger? Tu t'ennuies? Oui, je m'ennuie. Oui, je m'ennuie. On est bientôt arrivé, ciel. Oh. Just thinking about that Nintendo thing. Voilà. Hey Siri, open the documents folder. Parce que je l'ai réglé en,
en English UK. Hey Siri, what's the weather like? Sorry. Excuse-moi. Tu vois, 911. Non, bah il travaille pas pour moi, il a pas de. Non, bah c'est pas grave. Non, parce que je me fais constamment menacer par XYZ, c'est-à-dire Mathis et Emma d'appeler le. Les prud'hommes, conseil des prud'hommes directement. Parce qu'Emma, c'est du harcèlement moral, on est bien d'accord, mais Emma, je l'ai jamais vu prendre des coups de fourchette. Si les gens pensent que la pièce qui est derrière moi dans mes vidéos YouTube est une vraie pièce, eh non, c'est pas une vraie pièce. Non, franchement, je me sens bien, écoute, première vidéo enregistrée, on va enchaîner sur la deuxième, et peut-être que si on en forme, on enchaînera sur une troisième. Puis ensuite, go écrire ma petite story time. J'ai été en manque d'inspiration, et je vous ai demandé à vous d'ailleurs sur Instagram que vous aviez comme idée, comme idée de rebondissement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes mes ghostwriters? Peut-être. Est-ce que je vais le dire aux gens? Non. D'accord? Tout le monde croira que ça vient de moi et uniquement de moi. Voilà. Je vais vraiment faire une table qui va être très très belle. J'ai pris des choses comme ça. J'ai pris des petites orchidées comme ça. J'ai pris... Fais pas attention au bordel. C'est ce que les gens me disent. Fais pas attention au bordel, j'ai pas rangé. Tu ranges jamais, ma belle. Tu ranges jamais. Sinon, tu répéterais pas cette phrase très souvent. Tu ne ranges pas, ok? Oui, je range pas, c'est bon, tranquille. Oh là là. J'ai pris des petits bouquets comme ça, un peu champêtres, pour mettre partout sur la table. Pour créer vraiment un joli décor pour ma vidéo. Ils sont que dalle. Mais il est champêtre, tu vois. Je suis surexcitée. Vraiment, il faut que cette vidéo, elle soit stylée. Je vais y mettre tout mon cœur et mon âme. Je crois que je vais tourner... Scarlett, I'm speaking, girl. Je crois que je vais tourner jusqu'à, je sais pas, 4h du matin. Je rigole pas. Je suis là jusqu'à 4h du morning. MDR à 22h en train de dormir. Non, t'inquiète, je suis là. Mathis, t'étais là quand on a revisionné la séquence d'Ohio dans la voiture. T'en as pensé quoi, toi? Et toi, ma belle, comment tu l'as vécu? Mal! Mal! Non, franchement, je l'ai... En fait, non, je l'ai pas mal vécu. J'ai été un peu... Ça fait pas un peu secte, comme ça, avec les bougies? Je me suis sentie un peu prise au dépourvu, parce que on n'en avait jamais parlé, et en tout cas pas dans ces termes, et je m'attendais pas à ce que... il est mal, d'une certaine manière. Donc j'ai un peu culpabilisé, enfin même beaucoup culpabilisé. Après, c'est pas que c'est la vie, mais genre, tu peux rien changer. Mais tu te dis, ah, oh, c'est fou à quel point les relations d'adultes, ils peuvent... Enfin, d'adultes, MDR... de gens qui se prennent pour des adultes, peuvent impacter des enfants. Et voilà. Et moi-même, j'ai vécu le fait d'avoir un beau parent. Et je me dis, j'aurais aimé... enfin, c'est pas que j'aurais aimé, mais... Quelque part, ça développe une petite colère en moi. Comme je disais la dernière fois. Et c'est vrai que c'est là depuis quelques jours. Enfin, parce que je me dis, j'ai cette envie de... préserver, tu vois, ses enfants et d'être délicate et un peu oula, les enfants c'est des petits, il faut faire attention. Et je me dis, mais moi j'ai pas été préservée comme ça quand j'étais petite avec un beau parent. C'est que j'ai trouvé pas toujours doux, pas toujours bienveillant, pas toujours sympathique, qui a essayé de rentrer entre guillemets dans ma vie par la force. Ton père il est plus là. Ouais bah je sais pas, je suis traumatisée en fait, doucement, genre doucement. Et je me dis, mais c'est pas possible de faire ça à un enfant qui comprend pas ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça que mon expérience en tout cas fait que j'ai ce côté très comment dire, caring, où j'essaye d'être la meuf bilingue, comment on dit en français? I forgot, I'm sorry. Non, vraiment ce côté vraiment un peu protecteur, de oh fais attention, sois douce, très douce, parce qu'il faut pas brusquer, ce sont des enfants, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu touchée. Mais je sais qu'il m'en veut pas parce que... Et c'est pour ça que j'ai hésité... C'est pas que j'ai hésité à laisser cette séquence entre guillemets. C'est juste que je me dis... si les gens pensent que c'est l'essence même de nos relations, c'est complètement faussé. Parce que la majorité du temps, on n'est pas du tout dans ça, quoi. On joue... on rigole et puis la vie est belle et c'est ça l'essence de notre quotidien en règle générale. Et en plus ils viennent les mercredis, les week-ends, donc c'est même pas tout le temps. Et c'est vrai que là ce qu'il a dit c'est tellement rare et il me l'a jamais dit. Donc, et en plus t'étais là et tu filmais, donc c'était vraiment, c'est genre, c'est wow. Donc tu culpabilises et tu te dis bon, ça le touche et je comprends qu'il aimerait avoir ses deux parents ensemble et tout, et du coup quelque part ça me fait mal. Mais je pense que la seule chose à faire, c'est de rester compréhensif et de le comprendre, tout simplement. La partie où je me sens bien, c'est celle où je me dis, bon, au moins, il se sent safe et à l'aise d'en parler,
et de dire exactement ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un qui est très mature parce que quand tu lui dis « Ouais, bah voilà, je me sens coupable », il dit rien. C'est, en gros, c'est tes émotions et voici les miennes. Et je trouve ça tellement mature et c'est comme ça que la majorité des gens devraient échanger sur ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'essayent pas de transformer ma... Mais c'est un amour. Franchement, c'est un enfant assez incroyable. Voilà, c'était awkward. Bah écoutez, on se confie ici, c'est du vlog. On raconte nos vies, quoi. Autour de bougies. Attendez, la table, elle sera belle. Vous rigolez comme ça. La table, elle sera belle. Pomme a dit, franchement, les filles, stop, c'est bon. I can't. Stop, on arrête de s'embrouiller. Pumpkin a dit, ok, soit vous nous dites ce qui se passe, soit vous en parlez en privé parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec vos histoires de mère. Mais tu prends du plaisir à écrire ce genre de choses ou pas? Ma vie. Ou c'est une corvée? Ma belle, je suis en transcendance là. Je suis en transcendance. Tous mes alter ego vont pouvoir se disputer, c'est mon rêve. Je pense que ça va être une vidéo exceptionnelle. Parce que regarde le nombre de pages qui sont écrites. Il y a des diagrammes, il y a des choses comme ça. Et surtout, elle a mis du temps quoi. Donc juste parce que je mets du temps, ça doit être super. Non, parce que t'as un talent d'écriture qui est quand même hors norme. Je trouve que t'es très forte à écrire des dialogues, je trouve que t'es très forte à écrire des situations girly. Tu vois, c'est une chose d'avoir un talent, c'est autre chose de le mettre en application. Et là, t'as mis en application ton talent. Ah, mais ça me touche trop ce que tu dis. Parce que je le dis tous les jours. Non, mais là, ça me fait vraiment plaisir. Et tu veux faire un test? Ouais. Vas-y. Et... Action. Action. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un petit peu difficile pour moi de vous accueillir dans ces circonstances, étant donné ce qui vient de se passer, mais Pumpkin m'a informé d'une nouvelle relativement choquante, décevante. Ok, viens voir. Eh, ça me plaît! Ça me plaît. Ah, oui. Ouais, ça me plaît de ouf. T'as hâte? Ouais, j'ai trop hâte parce que ça donne vraiment ce côté Real Housewives of Beverly Hills qui est ma référence pour cette vidéo. Alors du coup, je trouve que c'est génial. Genre dans la DA, on y est quoi. Tu vois même la petite fleur sur le côté. Elle fait son effet. Elle est pas là pour rien, je te dis. Elle accompagne l'image. On a l'impression d'être autour d'une table, que ce soit... Non, franchement, c'est vraiment cool. Je te jure, je pense que ça va être très sympa. Waouh! Merci, arrête ça. Je suis beurre. T'aimes bien ou pas le style? C'est trop beau. C'est vrai? C'est pas un peu too much? C'est beurre. Beurre, elle est vraiment too much. Ouais, c'est la dernière qu'on tourne là. Let's go embrouiller les fantômes. C'est parti. Mais toi, tu fais exprès en fait. T'as pas compris qu'il se passe quelque chose et qu'on est là pour comprendre ce qui se passe. On continue. J'ai vu XY, Alicia, ton chéri, marcher main dans la main avec une de tes amies d'enfance, donc une d'entre vous. Pourquoi tu donnes pas de détails en fait? Mais t'es sérieuse toi avec tes grands airs? Tu te prends pour qui? De toute façon, j'ai rien à me reprocher. Je me suis pas tapé ton gars, je te le dis. Lol. C'est la pire. Mais maintenant, toi, Caramel, dis-nous pourquoi t'étais au centre commercial et avec qui t'y étais. Parce que moi, je t'y ai vu. Les gens qui ont trouvé que... Comment ça s'appelle? Que Caramel, elle a couché avec le mec de Pomme. Dans ces cas-là, ce sont des génies, alors. Ça veut dire que la majorité des gens ne voient pas ça. Est-ce qu'on peut même trouver ça quand on connaît pas? Je sais pas, hein. Non, on peut pas. Non, on peut là, pas. Là, quand je regarde, ça... On peut pas? Ça se sent pas. Mais en fait, tu vois, la fin, vu qu'elle est à suivre, ben, on s'arrête pas là, en fait. Mmh. Dans notre tête, on se dit pas, tu vois, on s'est pas dit... Oh, oh. On est là, on est... Ah, il va y avoir des rebondissements, tu vois. En fait, je suis trop contente de l'avoir sortie. Et en fait, j'en suis fière quand même. Malgré tout, j'en suis fière. Je pense que ça peut être encore mieux et que je commence à m'entraîner, tu vois. Je pense que je pourrais jouer mieux. Je pense que je pourrais... Après, je suis pas une actrice, mais je m'en sors plutôt pas mal pour un petit brouillon d'une petite débutante. Mais au moins, j'arrive à exprimer un truc similaire à ce que j'avais en tête, tu vois. Et je peux même aller plus loin dans les histoires et les écrire mieux. Et ça me fait kiffer de le faire. Ça me fait kiffer que les personnages ils soient cool et tout, que certains peuvent s'y référer, que dans les commentaires, les gens les assimilent même à des personnages de série. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils sont identifiables. Et je kiffe trop, en fait. Donc, j'aime que les gens aient l'impression qu'il s'agisse d'une série. Parce que je me dis, bon, bah j'ai réussi au moins mon coup sur ce point-là, tu vois. Et j'ai envie d'en refaire. Si jamais ça fonctionne vraiment bien... Franchement, ça me donne vraiment envie d'en refaire. Parce que je trouve que c'est quali et que c'est cool. Après, c'est vrai que ça prend du temps à écrire, à tourner. Mais écoute, hein, si... Pardon, je m'étouffe avec ma joie. Mais voilà. Mais voilà dans l'idée, quoi. On verra la suite. Je vais pouvoir dormir un peu.